Je dis à l'État, pas qu'à le président seulement. L'État, c'est premier ministre, c'est ministre. L'État, c'est pouvoir législatif. L'État, c'est collectivité. L'État, c'est pouvoir judiciaire. L'État, c'est administration publique. Là, l'État, pas qu'à président seulement. Le président de la République, Jovenel Moïse, lors de l'interview avec le service créole, La Voix de l'Amérique. Pour une nouvelle fois, le président de la République affirme n'être pas prêt à laisser le pouvoir au profit de l'opposition qui ne cesse de réclamer son départ. Dans une interview exclusive accordée cette semaine au service créole, La Voix de l'Amérique, Jovenel Moïse a renouvelé sa détermination à s'attaquer à un système qui, dit-il, contrôle l'État depuis des décennies. Le chef de l'État affirme avoir fait le choix de la rupture. Sous mon administration, l'État n'est plus contrôlable, a dit Jovenel Moïse dans cette entrevue d'une durée de 50 minutes. L'État, bon, on va l'emploi en termes qui dure, difficile, n'est plus contrôlable. On dit plus, parce qu'il n'y a pas jamais qu'à contrôler encore. Pas de personne, qui comprenne que, parce que la porte là, il est ouvert par une personne qui a fait même. Parce que nous-mêmes, nous montons président, nous font choix. Moi, je dis non, NON. J'avais toujours dit, on est qui comprennent que l'État, ou voulez me faire même isolé, pour prendre toutes les ressources de l'État qui t'a supposé le servir, peuple là, c'est vous-même vous le venez servir, moi-même, Jovenel Moïse, je me dis non. Avec dit, l'homme dit non, le ou même ou besoin vin, ta vin fait ça encore, peut pas ici à veo ou pas capable encore. A précisé le locataire du Palais National, Jovenel Moïse croit qu'il est grand temps à ce que l'appareil étatique se libère d'une catégorie bien spécifique. Les ressources de l'État ne peuvent pas être mises au service d'un petit groupe. Fini les mainmises, a martelé le président de la République. L'ancien PDG de la firme Agritran dénonce une campagne de manipulation visant à chambarder la situation et plonger le pays dans le chaos. Trop de manipulation. Trop de non-dits. Il faut se regarder dans les yeux et dire les quatre vérités, a dit le président Moïse. Selon lui, il n'est pas possible qu'après chaque élection démocratique, une grande majorité subisse la loi d'une minorité. L'État, l'État, il y a même mis ce qui fait sous lui, et puis chaque temps, il y a qui vient dire l'État, qui dit, nous font lever moi, et puis il y a un grand banc qui fait. Et bien, je veux dire, quand il y a le tubulent, il y a un pays à tout. C'est ça, c'est parce que je veux dire, le président Jovenel dit que, on font un campé, on ne sait si nous avons rebattu 4 là parce que. On parle du système. Mais c'est l'un des systèmes, peut-être, et je veux dire, m'a profité d'interview ça, pour m'expliquer, là, m'a parlé de système pesé sous ça, pour m'a comprendre de qui ça m'a parlé. Oui, parce que là, on suivre, nous suivre regard même. Sûr, eh bien, mais l'essentiel, c'est pour regarder, là, me dit pour suivre, vous regardez, non, c'est à regarder qui moun. Qui a un pays ça et qui a une capacité pour régénérer le système ça, chaque temps système, il est arrivé dans le bout de l'île. Cependant, il avoue n'être pas accroché à un mandat, mais plutôt à des réformes. Des réformes qui, selon le chef de l'État, concerneront la Constitution. Toucheront notamment le secteur de l'énergie ainsi que le secteur financier. Au terme de la cérémonie de commémoration des 216 ans de la bataille de Vertières au MUPANH, le 18 novembre dernier, Jovenel Moïse a réaffirmé sa détermination d'éliminer ce qu'il appelle le système qui, dit-il, favorise le renforcement de la misère, de la pauvreté et de l'insécurité. Le changement se fera dans la douleur et prendra du temps. Nous sommes à un carrefour historique. Ce changement que je prône doit être inclusif. Et on ne doit pas rater cette opportunité. Et c'est son crise que le pays a connu. Et pour ne pas dire, c'est une plus grosse crise que le pays a connu après 1986. Mais, je vous dis, résolution crise va dépendre de la capacité d'acteur. Ça veut dire, moi-même, c'est comment la capacité que nous avons pour nous prendre la hauteur. Qui peut permettre pour nous convertir crise en opportunité? Parce que nous raté plusieurs gros rendez-vous dans l'histoire pays ça déjà. A-t-il insisté? Pour Jovenel Moïse, c'est l'une des plus grandes crises politiques qu'a connue Haïti depuis 1986. La crise actuelle, souligne-t-il, se conjugue en deux mots.
Danger et opportunité. De mon côté, j'ai choisi l'opportunité à la place du chaos ou du danger. Rappelle celui qui n'a pas cessé de multiplier les appels de dialogue depuis quelque temps. Si bagage a arrivé, nous partir le leçon de yo pour nous aller de l'avant, c'est le ça n'a fait erreur. Je pense que crise là, il y a deux mots importants qu'il a dans. Il y en a les dangers, l'autre là il y a les opportunités. Moi-même, je choisis le deuxième nom qui est opportunité. Cependant, ça ne devra pas être un dialogue de sourds, précise le chef de l'exécutif, tendant sa main une fois de plus à ses opposants, qui continuent de réclamer sa démission. Il souligne que la résolution de cette crise dépend de la capacité des acteurs qui doit la convertir en opportunité. À tous ceux et toutes celles qui sont convaincus qu'il est fortement supporté par la communauté internationale, particulièrement les États-Unis. Le 58e président d'Haïti croit que seul le peuple haïtien avec sa carte électorale constitue sa force et son support. Toutefois, il avoue avoir le soutien de Washington dans le cadre de l'implémentation de sa vision. Je ne suis pas le seul à avoir l'appui de l'international. Qui ont même leur campagne de radio, ils ont dit que la télévision, c'est gagner la communauté internationale, c'est eux-mêmes qui ont soutenu. Même Abdou, même groupe Mounzaou, ils ont Washington tout le temps. Ça le fait. Vous allez me poser cette question ça. Eh bien, ça veut dire, parfois, même eux-mêmes dans tout, qui a. Ils ont besoin de force là tout. Maintenant, moi-même, c'est que. Là pour elle force là qui beaucoup tout quoi chercher à qui c'est force on qui peut forcer le peuple haïtien là pour elle compte ça pour faire pour elle pour faire parce que le monde ça ou parler de communauté nationale pour l'appuyer si façon démarche qu'on va faire faut pratiquement ça ou li ou va faire c'est des bagages qui aller dans sens OK bien net majoritaire a dit l'aime camper par exemple me dit faut réforme faite dans secteur énergie. Alors, pensez que blanc, communauté internationale, que moun ap, ou se dit que y a des gens qui ont dit que c'est quelqu'un même, ça veut dire blanc l'aveugle. L'aveugle, pour le que dans les Caraïbes, il y a 43 millions de monde, mais il y a 9 millions qui sont en courant, et puis 7 millions en Haïti à vivre. Ça veut dire ça, l'on président dit réforme ça à l'Apfel. Et puis, un bon exemple, Jamaïque, comment tu réformes en 2014-2015? Mais je dis à Jamaïque, sous chaque 100 Jamaïcains qui vivent, il y a 98 millions qui sont en courant. En Haïti, sous chaque 100 Haïtiens qui vivent, c'est entre 26 et 28 qui y a courant. Avec dit long président dit ça et puis il va dire seulement non, il campé réforme non. Il dit mais comment m'a fait? M'a sorti dans affaire monopole là, dans affaire que un petit groupe système business sous-sea, mettez-moi qui dit que jodi a moi même courant c'est pour moi lié. Avec dit maintenant président ça vient dit non courant pas ca pour. Courant c'est pour peuple là. Ça veut dire s'il pour peuple là, faut bon gens pour le jodi en gars affaire courant qu'a parler. Faut tout le monde qui a participé là-dedans. C'est ça que nous faisons. Nous commençons à faire des travaux, appel d'offres international. Pendant ma parole là, nous avons une équipe de 10 jeunes qui, délégation ça, est présidée par le docteur Ivenson Galix, qui aux États-Unis. Ça fait qu'il travaille. Américains ouvert pour nous, pour nous regarder le système gaz naturel, comment il marche. Les opposants, eux aussi. Réalise des tournées aux États-Unis, à quelle fin s'interroge le premier citoyen de la nation. Rappelons que le président de la République avait affirmé, en octobre dernier, qu'il serait irresponsable de sa part de démissionner, alors que de larges manifestations se sont multipliées depuis fin août à travers le pays pour exiger son départ. Dans la foulée, les mouvements de protestation s'affaiblissent à Port-au-Prince et dans certaines villes de province. Après avoir signé l'accord de Mariott, les dirigeants de l'opposition n'arrivent toujours pas à choisir le président provisoire et le premier ministre qui devrait diriger la transition. Faire le choix d'un juge à la Cour de cassation pour remplacer Jovenel Moïse, une proposition minimisée par le Palais national. Avez-vous dit un fond clair? Trop de manipulation, trop de non-dit dans sa cap dire, on nous dit vérité crue. Nous pas qu'on paye côté qui gagne 27 750 km², qui gagne 146 communes, qui gagne 572 sections communales, et puis
chaque temps au monde fin font campagne électorale li marche à travers tout pays pas vrai là il parle avec un peuple là babalon pouvoir et puis li rive n'importe quoi ça veut dire peuple là sous bord gauche là comme ça plein monde et puis 10 monde campé sous bord droite là dimanche quand ça passe au fin bon pouvoir porter le bon moi mais ça qui passe dans pays là et même moi même je dis à monsieur ça me dit on pas porter le bail m'a tenir le bail peuple là.